Excellence, il y a une table ici, vous n'avez pas salué. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup d'honneur et un immense plaisir que nous vous recevons cet après-midi dans ce salon Versailles de l'hôtel Bristol. Monsieur Guillaume Bafori-Soro, président de Générations et Peuples Solidaires, candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire, est heureux de partager avec vous ce moment de convivialité, d'échange et de partage. Chers amis, vous le savez certainement, Paris, c'est la plus belle ville du monde. Elle est d'autant plus belle qu'il y a trois mois, M. Guillaume Kibafori-Soro était ici dans cette même ville pour un dîner avec les membres de l'Auguste Corporation de la presse française. Aujourd'hui, il revient devant vous, cette fois-ci, avec ses avocats, pour parler de la Côte d'Ivoire, pour parler d'avenir, pour parler de futur, pour parler également de l'état préoccupant dans lequel se trouvent les libertés publiques dans le pays de l'éléphant, dans ce pays qui, il y a 5 ans, se portait très bien et qui, au fur et à mesure que s'approche l'élection présidentielle, présente des signes inquiétants, des signes alarmants, des signes pour lesquels il urge de se réunir
de poser un diagnostic et de proposer des solutions. Guillaume Soro aime s'entretenir avec les journalistes parce que dans le seul ouvrage, le premier ouvrage qu'il a écrit en 2005, il disait, je pense le citer fidèlement, si le destin suivait les chemins du cœur, je serais devenu journaliste. Donc c'est un journaliste qui aurait pu être, qui se trouve aujourd'hui avec vous. Et donc je pense que ce sera un moment d'échange fraternel, franc et direct. Je ne vous parlerai pas beaucoup de Guillaume Soro, parce que la plupart d'entre vous le connaissent, ont entendu parler de lui, ont lu sur lui, ont entendu des choses sur lui, ont donc une idée, une vision, un aspect, un aperçu du personnage. Je dirais juste qu'il y a 2 mois, Guillaume Soro, au terme d'un parcours que vous avez tous suivi, ministre, premier ministre, président de l'Assemblée nationale et candidat à l'élection présidentielle déclarée, a vu quasiment ouvrir, dès l'annonce de cette candidature, j'ai failli dire les écluses du ciel, un orage d'une violence inouïe s'est abattue sur lui. On a tous vu qu'il a échappé à un enlèvement dans un hôtel à Barcelone. On a également vu que des rapports ont été écrits et adressés au FBI, à la CIA, pour le présenter comme étant un allié des djihadistes. On a vu qu'un avion qui devait le déposer dans son pays pour qu'il démarre sa campagne a manqué de peu de se faire abattre. On a vu que l'outil politique qu'il a mis en place a été attaqué brutalement, décapité. Et on a vu que Guillaume Soro, dont tous les sondages honnêtes en Côte d'Ivoire s'accordent à reconnaître qu'il figure dans le peloton des têtes des candidats les plus crédibles à l'élection présidentielle de 2020, on a donc vu que M. Guillaume Kibafori Soro a été victime d'une attaque judiciaire qui confine au l'enfer. Cette manière de mener la guerre à un adversaire en s'entourant d'artifices juridiques. Guillaume Soro est aujourd'hui devant vous pour parler franchement, pour parler vrai. Et comme vous le connaissez, il parlera sans faux fuyant. Il est prêt à affronter chacune de vos questions. Et pour tout ce qui est question technique, il a le concours de ses avocats. Au fur et à mesure, Maître Afoussi Bamba, son avocat et son conseiller, vous présentera. Monsieur Guillaume Soro, je vous invite au micro. Merci à vous. Mesdames et messieurs les journalistes, je vous remercie d'avoir répondu nombreux à cette invitation. Si j'ai choisi de vous convier aujourd'hui à ce déjeuner de presse, c'est avant tout pour vous dire que je suis candidat à l'élection présidentielle dans mon pays, la Côte d'Ivoire, le 31 octobre 2020. Et je veux vous le dire tout de suite, je le demeure définitivement. J'ai même envie de dire que je le suis davantage. Sachez-le. Ceux qui m'ont empêché de fouler la terre de mon pays le 23 décembre
à une instrumentalisation de la justice. L'avenir se pense, se prépare et se avec le peuple et pour servir le peuple. Telle est, je vous l'assure, ma mission. Rassembler le peuple ivoirien, le réconcilier avec lui-même, lui soumettre un projet d'avenir et l'associer au même horizon. Le pouvoir actuel est aux abois. Nous le savons, vous le savez. Les symptômes d'une dérive autocratique s'accumulent. Intimidation, arrestation arbitraire et torture, bâillonnement de l'opposition et soumission de la justice au pouvoir exécutif. L'institution judiciaire indépendante n'existe plus. Elle est devenue le bras armé du pouvoir politique. Les syndicats de magistrats et le barreau l'ont eux-mêmes décrié dans leur déclaration que vous pourrez consulter des 16 et 29 janvier 2019. Le président sortant commande des procédures. Il instrumentalise les magistrats en violation des textes de loi et de procédures au détriment des règles constitutionnelles. J'ai été, ainsi que mes amis politiques et certains membres de ma famille en Côte d'Ivoire, victimes ces dernières semaines d'une véritable persécution judiciaire. Je répète, une véritable persécution judiciaire. Cette persécution judiciaire a été possible parce que ont été violés gravement des principes qui sont le fondement de l'état de droit et de la démocratie. Parmi ces principes, il y en a un qui est essentiel et cher à Montesquieu, le principe de la séparation des pouvoirs. Celui-ci a été gravement meurtri du fait de la servitude avec laquelle l'autorité judiciaire à Abidjan s'est pliée à des injonctions de nature purement politique. Ces injonctions sont politiques puisque les dossiers sont vides de toute charge et ne reposent que sur des anathèmes qui sont ainsi au cœur de véritables complots judiciaires. Des mercenaires ont fait des enregistrements illégaux en pensant le piéger. Ils ont été tronqués, trafiqués, manipulés et diffusés par un procureur de la République aux ordres. Mes avocats ont déposé plainte à Paris contre les auteurs de ces enregistrements et contre le procureur, car cette manœuvre, commise en partie en France et en partie par des personnes de nationalité française, comme vous le savez, est sanctionnable. Nous allons également agir pour protéger les droits fondamentaux des membres de Génération et Peuple Solidaire, GPS, le mouvement citoyen que j'ai lancé, et ceux de mes camarades et frères, tous arbitrairement et illégalement incarcérés. Ils ont été transférés de la maison d'arrêt de correction vers des établissements où l'on peut craindre, hélas, pour leur sécurité, leur santé et leur vie. L'un de mes avocats a été perquisitionné à son domicile sans titre, illégalement et sans la présence du bâtonnier ou de son délégué comme le prescrit la loi. L'immunité parlementaire des députés de mon groupe parlementaire Rassemblement a été violée. Face à cette irrégularité manifeste, le pouvoir d'Abidjan a cru bon, après interpellation des avocats, de rattraper l'illégalité des procédures judiciaires en l'aggravant, malheureusement, par une énième violation. Le groupe parlementaire RHDP, groupe parlementaire du président Ouattara, s'est substitué, figurez-vous, au parquet, donc au pouvoir judiciaire, en demandant la levée de l'immunité parlementaire de leurs collègues députés, en dehors de toute procédure légale applicable à la matière, fait, vous convenez,
dans l'histoire judiciaire, fait inédit dans l'histoire judiciaire de notre pays. Nous avons saisi le procureur de la République de Paris et demain, nous saisirons les juridictions sous-régionales, la CDAO ou la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que les Nations Unies pour que nos droits soient respectés. Je vous rappelle que la Côte d'Ivoire a signé et ratifié l'essentiel des conventions régionales et internationales, l'obligeant à respecter les principes élémentaires des droits des personnes et des biens, bien entendu, celui au procès équitable et notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 26 mars 1992, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le 31 mars 1992. Nous attendons des institutions internationales qu'elles sanctionnent les actes posés par l'actuel gouvernement pour le mépris qu'il affiche à l'égard des obligations régionales et internationales de la Côte d'Ivoire. Madame Michelle Bachelet, haut-commissaire aux droits de l'homme, sera également saisie, ainsi que le Parlement européen, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Une note juridique leur sera présentée par mes avocats, démontrant clairement, sans embâge et sans aucune discussion possible, comment les lois ivoiriennes, mais aussi la Constitution, ont été gravement et systématiquement violées. Les persécutions politiques illustrent une bascule supplémentaire du régime ivoirien vers un régime autocratique et, en tous les cas, un régime qui, pour survivre, est prêt, y compris porter gravement atteinte aux principes juridiques les plus élémentaires de la Constitution et engagements auxquels la Côte d'Ivoire a librement consenti. Mesdames et messieurs les journalistes, il n'y a pas de démocratie sans état de droit. Par nos actions et notre détermination, nous ferons triompher l'état de droit et nous restaurerons la foi de nos compatriotes en la justice de notre pays. Vous l'avez compris, notre combat judiciaire est un combat politique et, je le crois, grâce au scrutin universel, nous parviendrons assurément à rétablir la confiance et l'équilibre. Je m'exprimerai désormais de façon régulière pour dessiner un projet en formulant des propositions. Telle est la ligne que j'entends tenir et dont je ne dévierai point. Je veux être utile à mon pays, utile à mon peuple, et je ne vois pas de manière plus efficace de le faire que de contribuer à éclairer son cheminement. Chaque enjeu sera abordé. De la réconciliation nationale, de la paix, de l'éducation à la santé, en passant par le logement et le nouveau partage des fruits de la croissance. Loin de tout, mais avec la volonté constante de convoquer une audace à la mesure du potentiel de notre nation, dont la citadelle sera la démocratie. Nous sommes porteurs d'un nouveau leadership